Bonjour à toutes, comment allez-vous? Bon, je viens vous présenter mon premier album bébé. Je l'ai suivi grâce à un tuto que j'ai trouvé sur internet. C'est le scrap de Céline. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Elle l'explique très bien et voilà, je voulais pas faire de bêtises. C'est pour offrir à une maman, à une amie qui va avoir une petite fille. Et pour bien comprendre le mécanisme, voilà, et toutes les petites astuces, enfin quelques astuces, je voulais le faire en suivant un tuto. Donc voilà, je l'ai fait donc en suivant ce tuto. Donc je vous le présente. Voilà, sur la page de devant, j'ai trouvé une petite photo, une petite image sur internet. Il est trop mignon, c'est un petit cheval à la bascule. Je l'ai imprimé, je l'ai découpé et puis voilà, je l'ai collé. Là, j'ai mis un petit tampon. Et puis, un truc que j'ai complètement oublié de faire, enfin de penser, c'est à la fermeture de mon album. Et une fois fini, je dis, bah mince, comment je ferme mon album? Et du coup, je dis, ben, je voulais mettre un ruban. Et j'ai complètement oublié de coller mon ruban avant de coller ma feuille de garde. Parce qu'il aurait fallu que je colle mon ruban, que je fasse une petite encoche dans ma feuille de garde, et après je colle ma feuille et je ressors mon ruban. J'ai dit, bon, bah tant pis, je vais chercher autrement, et j'ai fait, comme on disait autrefois, j'ai fait des cache-misères. Donc j'ai collé mon ruban sur ma feuille, et dessus je vais agrémenter avec des petites roses. Roses, des petites perles, des petits rubans. Et en fin de compte, je trouve ça fait trop mignon, ça se voit pas. Que j'ai oublié, voilà. Et puis derrière, eh ben, j'ai fait une petite découpe, une petite sucette. Et voilà. Donc j'ai collé mon ruban et j'ai collé ça dessus. Voilà. Donc en bas, j'ai mis un petit ruban qui fait tout le tour de l'album. J'ai fait un petit nœud en papier. Et puis j'avais pas prévu, enfin j'avais prévu de rien faire sur la tranche. Et puis bah, je l'ai trouvé trop nu ma tranche. Donc du coup, j'ai rajouté des petites babioles. Voilà. J'ai mis un ruban. Voilà, un vieux ruban que j'avais de mes grands-mères. Voilà. J'ai mis ceci. Voilà. J'ai mis des petites perles roses. Truc. Là, c'est un petit cœur ailé. J'ai mis un petit pompon. J'ai mis une lune. Et puis là, il y a un petit nounours rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit cœur. Un dauphin. Un nounours. Un petit cœur. Voilà. Voilà. Je trouve que ça, voilà, ça habille un album. Ça, ou on peut mettre des roses, on peut mettre voilà, plein de choses. Mais c'est vrai qu'une tranche toute nue, bah, fin de compte, ça fait pas terrible. Donc j'ai rajouté ça. Voilà. Bon, on va passer par l'intérieur de l'album. J'ouvre. Voilà. Donc ma première page, j'ai fait une pochette pour glisser des tags. Voilà. Donc comme ça, des tags avec dessus, il y a des lignes. Comme ça, elle peut écrire. Voilà, j'avais pensé mettre le poids, la taille, la date de naissance avec l'heure. Voilà. On pourra mettre ce qu'elle veut. Et puis, je voulais mettre un système pour qu'on voie le bracelet de naissance. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait une petite bannière. Je l'ai doublé, je l'ai mis sur du noir, une feuille noire, et j'ai collé un petit élastique. Voilà, comme ça elle tire un peu et elle glisse son anneau, son bracelet de naissance. Voilà, j'ai trouvé ce tuto-là comme ça. Et puis là, j'ai mis un petit bout en bouton et j'ai fait des petites tamponnages. Voilà. Ensuite, l'autre page. Alors, j'ai mis un bras. On tourne.
On défait, là, il y a un... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'ai un petit papillon. Soulève. Voilà une petite cascade pour y mettre des photos. Voilà, tout mignon. Après, on rabat et on fait. Alors, ici, j'avais pas de die coupée. Donc, vous verrez si vous allez voir le tuto le scrap de Céline. J'ai fait comme elle, j'ai pris un compas pour faire mon demi-cercle et j'ai coupé avec un ciseau cranté. Voilà. J'ai eu plusieurs ciseaux crantés que j'avais trouvés sur une brocante, donc ça me sert pas mal. Et à chaque page, je fais un tag. J'ai fait un tag blanc. Comme ça, elle peut y mettre soit y coller des photos, soit y mettre des écritures. Voilà, si elle veut écrire ses premiers pas, et voilà, sa première dent, n'importe quoi. Voilà, j'ai préféré le faire en blanc si elle voulait y inclure des inscriptions. Ensuite, on tourne. Voilà. Là, j'ai encore remis un petit bras. On tourne. Le même système que la fois d'avant. Par contre, les pages, je ne les soulève pas, je les fais en cascade. Voilà. Bon, un petit. Voilà, je les fais en cascade. On referme et on remet dans le petit bras. Voilà. Donc là, c'est la tâche. Et puis là, j'ai mis des petites fleurs. Et puis là, c'est le même système, bac à compas et des ciseaux crantés. Ensuite, la page suivante, toujours le même système. On défait. On soulève. Et là, c'est tout simple. Je fais une page. Voilà, on ouvre comme ça. On referme. Voilà. Alors là, en haut, j'ai mis un petit nœud, une petite déco d'un petit cupcake. Ça, c'est un tamponnage que j'ai fait, que j'ai colorisé. Et puis, pour faire le petit rond, ben, en fin de compte, c'est vous prenez une perforatrice, vous faites un rond, vous y mettez un œillet. Et puis vous la collez sur votre image. Et après vous collez le tout. Et puis vous mettez une petite déco. Vous rajoutez, parce que là, pour ne pas avoir le bout de votre carré, le rond collé dessus, bah vous mettez la même couleur que le papier là ou un autre papier. Hein. Vous mettez un cache. Et ça fait, c'est vrai que ça fait trop joli, trop mignon que ce demi-rond. Ce rond. Mais le crabe de Céline vous explique tout. Franchement, très bien fait son tuto. Je vous mettrai son lien. Ensuite, voilà. Là, moi, j'ai mis un ruban pour changer à la place des ficelles. Et puis, on soulève. Voilà. Et là, je lui laisse une grande place. Si elle veut y mettre, je ne sais pas, y coller un papier, mettre une grande photo ou des inscriptions. Voilà. Là, je lui ai mis ma girl et je lui ai mis une petite déco love. Ensuite, la page à côté. Alors, j'ai mis un petit tag que j'avais eu avec des papiers. Voilà. J'ai fait une petite pochette pour le glisser. Un petit cœur, un petit tampon. Du coup, je suis déçue parce qu'il est un peu bavé. Je soulève et j'ai mis ma petite cascade pour mettre des photos. Alors ensuite, j'y ai incorporé une petite déco nounours en 3D, un petit brillant et puis une découpe drapeau. J'adore cette découpe, elle est trop jolie. Voilà.
Ensuite, on ferme. Voilà. Toujours au milieu, mes grands tags blancs. On tourne. Ensuite, j'ai mis Mickey Mini. Que je cherchais tant chez Action que j'ai réussi à trouver, mais pas. C'était pas pour cet album-là, c'était pour un album comme je devais, comme je disais dans la première vidéo, où je devais aller. On était à Euro Disney. J'ai fait à chaque personne un petit carnet de photos, un petit album photo. Et je voulais mettre des Mickey et tout. Et j'en trouvais pas chez mon Action. Je les ai trouvés qu'après. Donc voilà, donc là on ouvre, pareil, un grand espace si elle veut coller des documents ou autre. Et puis les photos. Hein, ferme. Voilà. Et puis là, j'ai trouvé ça trop joli aussi à faire. C'est une bande de papier. De chaque côté avec une perforatrice de bordure. Et puis au milieu, vous collez des petites perles, des demi-perles. Là, ça fait trop mignon. Ça fait vraiment trop joli. J'adore. Voici. Ensuite, l'autre page, bah, c'est juste de, voilà, de pour mettre quatre photos, cascade. Pareil, je lui laisse de la place si elle veut mettre des photos plus grandes. Voilà. Ensuite, j'ai décoré avec une petite fleur rose, c'est bien chez Action, deux petits cœurs en plâtre, un genre plâtre. Et puis là, une petite fleur avec une petite perle. Et j'ai mis un petit ruban. J'ai trouvé, voilà, j'avais trouvé ce ruban, je ne sais plus où. J'ai trouvé trop joli. Et on peut rajouter pour faire une petite déco en plus. Ensuite, là, j'ai un volet que j'ai aimanté vers le bas. Avec... j'ai fait avec la perforatrice de bordure, une petite déco, ça passe plus joli. Ensuite là, ben, elle glisse, elle peut glisser une photo ou un document, ou voilà, ce qu'elle veut. Là, avec mes dailles fleurs, j'ai fait plusieurs fleurs. J'ai mis un peu trop près parce que du coup, à chaque fois, elle se plie. Et puis, j'ai fait mon petit train. J'adore ce die. Le petit train, le petit nounours, le petit cheval. J'adore ce die. Et à la dernière page, j'ai un volet que j'ouvre. Voilà. Et puis, j'ai fait deux. Voilà. Alors, un, ça, c'est une feuille que j'ai imprimée sur Internet. Voilà, je lui dis si elle voulait en mettre encore des inscriptions, parce que c'est vrai que dans un album, bah, on aime bien mettre des photos, mais des fois, surtout dans l'album bébé, on aime bien rajouter des inscriptions, voilà, qui peut être n'importe quoi, sa première danse, ses premiers mots, ses premiers pas, ses anecdotes, voilà. Donc j'ai mis un truc en plus, et puis un autre tag, du papier juste pour lui mettre des photos, et j'adore celui-là comme papier, il est trop trop beau. Love, j'adore, c'est un très joli couleur, j'adore ce papier. Et voilà, on arrive à la fin de mon album. Là sur le dessus, j'ai mis un bouton girafe et puis une petite découpe cœur que j'aime bien aussi. Ça fait ficelle, ça fait trop joli. Et puis ça, bah donc l'arrière, comme on a vu tout à l'heure, l'arrière de mon album. Voilà. Ben voilà, je vous ai détaillé mon premier album bébé. Je me suis fait un peu la main, disons, sur cet album pour une amie. Parce que, comme depuis peu de temps, je suis mamie. Après, je m'attaque à l'album de mon petit-fils. Donc, par contre, il ne sera pas du tout pareil. Il sera complètement différent. Même l'intérieur des pages seront différentes. J'ai plein d'idées. Maintenant, il faut que j'arrive à bien me les mettre en page et tout. Donc, je vais avoir un petit peu de boulot. Et puis, bah, ma foi, une fois fini, je vous montrerai. Voilà, comme celui-ci. Pour l'album de mon petit-fils, je vais prendre des idées un peu partout. Je vais regarder...
voilà, sur le net, je regarde des idées et puis après j'essaye de les mettre en pratique, de trouver leur système. Des fois, c'est pas évident. Et puis surtout, maintenant, il faut que je réfléchisse à la taille que je vais faire, parce que je voudrais peut-être le faire un petit peu plus grand. Voilà, bon. Voilà, il faut réfléchir. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai mis des coins. J'ai mis des coins parce que j'avais un ou deux coins qui étaient. Bah, j'avais coupé le papier, je trouve, un petit peu trop près de mon carton. Et ça faisait pas très joli. Donc, j'ai caché mes coins. Et puis, en fin de compte, bah, je me dis que même si les prochains albums que je vais faire, parce que j'adore faire des albums, enfin, du coup, j'ai trop adoré à faire des albums. Jusqu'à présent, je faisais des mini-albums. Mais là, partir sur des grands albums comme ça, ça prend beaucoup, ça prend du temps. Mais à la fois, c'est que du bonheur. Enfin, moi, j'adore. Je préfère même ça à des cartes. Malgré que je fais beaucoup de cartes aussi, j'aime bien. Mais voilà, j'aime beaucoup faire des albums. Je pense que je vais m'en faire plusieurs. Et en fin de compte, eh ben, les coins, je pense que je mettrai à chaque fois un coin, même si mes coins sont très beaux, sont bien pliés, sont bien coupés. Je pense que je mettrai à chaque fois des coins parce que je trouve que ça finit bien l'album. Je sais pas, c'est mon idée à moi, hein, mais je trouve que ça fait plus joli. Par contre, bon, j'essaierai de trouver pour des albums bébés des coins plus. Voilà, j'avais que ceux-là. Parce que j'ai aussi dans l'idée de. J'aime bien tout ce qui est vintage et je voudrais me faire un album vintage pour moi. Donc, c'est pareil, j'ai plein d'idées. Mais d'abord, l'album de mon petit-fils et après, je ferai mon album vintage. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de vous montrer mon premier album. J'espère que ma foi est. Voilà, mes explications, enfin ma démonstration vous aura plu. Je vous mets le lien du tuto où je l'ai trouvé. Vous pourrez comme ça bah, le reproduire ou piquer des idées. Voilà. Mais je remercie aussi le scrap de Céline de l'avoir mis en ligne. Ça m'a bien aidé pour faire mon premier. Et puis bah, maintenant, voilà, je me lance. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Une bonne journée. Et à bientôt!